reborn. Wow, comment c'est possible? Bonjour les reborn, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire, mais ici, ça ne va pas. Une mère a perdu son enfant et elle en pleure. C'est quoi l'histoire? Je vous l'explique rapidement pour ceux qui ne sont pas informés. Il y a quelques jours, je vous ai parlé d'un garçon de 12 ans qui a été frappé par ses camarades de l'école parce qu'il a refusé d'entrer dans leur secte. Oui, dans leur sorcellerie. Ils ont tellement frappé l'enfant que son père a dû venir à l'école là-bas le chercher, puis l'amener à l'hôpital. Et c'est à l'hôpital là-bas que l'enfant a commencé à tout dire sur ce qui s'est passé et tout ça. Ils lui ont fait boire quelque chose de compliqué. Au final, l'enfant est décédé. C'est une chose qui est en train de faire le buzz en ce moment sur les réseaux sociaux. Des célébrités, un peu partout. Tout le monde en parle. Moi, je n'ai pas, je n'ai parlé un peu. Et aujourd'hui, nous allons voir sa mère pleurer carrément et devant son école. Sa mère sera accompagnée d'autres mères, toutes habillées en noir. Elles sont venues pour dire qu'elles ne sont pas contentes du tout. Et elles appellent à toutes les mères à dénoncer toutes sortes de molestations, toutes sortes de choses bizarres qui ont lieu dans les écoles contre leurs enfants. Parce que souvent, il y a certains mères qui sortent et ils viennent dire, par exemple, que y a tel ou tel professeur ou telle ou telle personne qui joue avec leur enfant sexuellement. Mais souvent, les gens n'y croient pas. Souvent, les gens n'y croient pas. Ils se disent que non, c'est pour blaguer. Elle demande à ses mères de sortir parce que, vu la manière dont ce petit est mort, il faut vraiment se réveiller maintenant. Et Seigneur Jésus, venez, suivez-moi. Nous venons au studio. Venez rapidement, vous allez voir. C'est vraiment hors du commun. Ça fait beaucoup pleurer. Ça m'a choqué quand j'ai vu cette maman-là en larmes. Vous ne pouvez pas comprendre. Regardez. Vous voyez ça? C'est le petit qui est ici. Juste 12 ans. Il aimait bien aller à l'école. Il allait toujours à l'école en souriant. Sa mère dit, oh, mon fils aimait jouer au football. Il s'appelait Sylvester. Sa mère est ici, devant son école, profondément attristée par tout ce qui s'est passé. Et elle pleure. Elle pleure toutes les larmes de son corps. Vous ne pouvez pas comprendre. Rest me for crying. Oh God, rest me for crying. Oh, oh God, rest me for crying. Oh. Elle dit arrêtez-moi parce que je pleure. Arrêtez-moi parce que oh, je pleure. God, rest me for crying. Oh. That boy drank a substance. Oh. That boy died. Oh. Oh God, rest me for crying. Oh. Elle en pleure. Oh, vraiment. C'est très triste. Même si c'est vous. Même si c'est vous. Votre enfant préféré, il va à l'école. Une école que vous payez en plus très cher. On nous dit plus de 1000 naira. Donc ça fait plus de 1000 euros qu'elle paye à chaque fois quand l'enfant va à l'école. Elle investit sur son fils pour demain. Et regardez ce que les gens font à son enfant. Elle en pleure. Oh, oh God, I should not cry. I should not cry. Take me to the police. Tell me what has happened so far, sir. Elle est couchée carrément à même le sol. Tell me who you have arrested, sir. Elle appelle à l'aide. Who have you arrested, sir? Elle dit je pleure. Elle a levé carrément sa perruque. Elle a carrément enlevé. C'est pas de la blague. C'est une mère qui vient de perdre son enfant. Elle est couchée.
Elle dit, qui devons-nous arrêter? Qui a causé cela? Qui devons-nous arrêter? Vraiment, c'est triste. C'est une tristesse absolue. Vraiment, c'est grave. Vraiment, quand je l'entends pleurer, ça me touche beaucoup. Elle pleure son enfant, elle pleure et elle pleure et elle pleure et elle pleure. Vraiment, c'est triste. Vous même regardez. Elle a perdu son enfant. Toute sa famille est en pleurs. Vous envoyez votre enfant à l'école. Et l'enfant meurt là-bas. Comment allez-vous sentir? Voici son ressenti. Elle pleure. Oh Seigneur. Que Dieu connaisse justice en fait. Oui, la police ne devrait pas pleurer. Que dois-je faire? Police ne devrait pas pleurer. Que dois-je faire? Et elle pleure devant l'école de l'enfant. Vous voyez là derrière. C'est l'école de l'enfant qu'elle a. Eh Seigneur Jésus, vous ne pouvez pas comprendre. Ça, c'est une mère qui a porté 9 mois de grossesse. 9 mois, vous vous rendez compte? 9 mois de grossesse. Son enfant est venu au monde, Dieu merci. L'enfant a commencé à aller à l'école et regardez ce qui se passe. Oh non, c'est pas possible. D'autres femmes sont venues la soutenir, comme je vous l'ai dit. Regardez. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Elles sont là. Elles sont là. De parler. De dire des choses. Pour soutenir la femme. Vraiment, c'est triste. Elle appelle à ce que toutes les femmes. Toutes femmes qui traversent la même situation puissent sortir aussi. Et venir dénoncer toutes ces choses. Toutes ces choses. Toutes ces choses. Oh Seigneur Jésus-Christ. L'enfant s'appelait Sylvester. Oh mon Dieu. Vraiment, cette vie. Quand un doigt se réveille, on se retrouve face à de nouveaux décès. Comment vous le dire? Venez en parler ici, les frères et sœurs. Venez en parler ici, les rebords. Non, venez. Vraiment. Vous voyez ça, la vie est tellement bizarre. Tu ris aujourd'hui, demain tu pleures. Tu pleures aujourd'hui, demain tu ris. Le monde est devenu très compliqué. On dit que les périodes de fête approchent. Certains parents ne peuvent pas offrir des cadeaux à leurs enfants. Mais cette famille passera comment toute cette période de fête en pleurs. En tout cas, moi, je préfère vous dire ceci. Soyez très vigilant. Très vigilant. C'est ainsi. Partout dans le monde, on entend des nouvelles vraiment pas trop jolies. Eh Dieu. Je fais cette vidéo pour vous dire, à vous les parents, veillez sur vos enfants. Sachez vraiment ce qui se passe à l'école. Questionnez vos enfants. Soyez vraiment contents. Que Dieu vous protège. Waouh! Merci les frères et sœurs de regarder cette vidéo. C'est extraordinaire. N'oubliez pas de liker, de commenter, de la partager à vos frères et sœurs aussi. Et si vous voulez faire un paiement bancaire pour soutenir notre bande, dans la description, je trouve un lien où vous pouvez tout simplement télécharger une note où se trouve nos informations bancaires. Et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire Nyanskebon 3.
application Sorbonne. Vous allez sur la page d'accueil, vous allez voir Union Sorbonne. Allez-y, abonnez-vous et activez la cloche. C'est parti.